Bon, Christophe Dutel, responsable communication au Crédit Agricole. Bon, un petit mot sur ce tirage que vous avez organisé dans ces locaux, on va le dire, magnifiques. Bah écoute, très heureux d'avoir accueilli ces 16e de finale et très fier aussi d'avoir deux belles rencontres, le derby lyonnais et puis Volimonet qui en plus sera une belle affiche et je pense que ça fera un beau match et qui va justifier justement beaucoup de public pour qu'ensuite on les retrouve sur les tours suivants et on est toujours très fiers d'accueillir les clubs et puis les faire venir dans nos beaux locaux. Vous connaissez bien le foot dans le Rhône, vous qui avez bossé pendant je sais pas combien d'années à Saint-Etienne quand même, hein. C'est suspect ça. Non, on peut à la fois habiter le Rhône, ou je suis très fier d'habiter le Rhône, mais quand même être supporter aussi de Saint-Etienne, et j'en suis fier effectivement. Mais faut pas le dire trop fort ici. Mais c'est pas pour autant que je n'aime pas et je vais très souvent dans les clubs locaux, que ce soit des clubs professionnels comme à l'OL ou même à MDA, à Chasselet, etc. Parce que je suis fidèle à ces beaux clubs. Un petit mot sur le partenariat Crédit Agricole dans cette Coupe du Rhône, ça fait une éternité. Ça fait pratiquement 30 ans, ouais. 30 ans et on en est très contents et on se donne aussi la possibilité de renouveler encore pendant 30 ans. C'est tout le challenge qu'on souhaite et ça fait 44 ans même au niveau national que le Crédit Agricole supporte et accompagne le foot dans toutes ses catégories, que ce soit foot amateur, professionnel et féminin. Ok. Bon, bah allez, merci à vous, puis on vous donne rendez-vous dans 10 ans alors. Ah, mais dans 10 ans, et puis même un peu plus loin. Hein. Allez, merci. On est à fidèles. Vous. Merci.